Compresso regarde Lolo Fodja dans cette vidéo et démonte les multiples mensonges de Kokoko et tout en rapport avec le problème de Chantal Haïssi et Lolo Fodja. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Mbokosi, tu avais dit que tu es une grande dame, que toi, tu fais le djangui. On dit qu'on cotise 500. Tu dis que non, toi, tu vas cotiser Kolo. Et tu as dit que tu mets les noms à l'infini. Ah, bouffe tes noms. Parce que là, tu n'as pas encore bouffé la moitié de tes noms. Tu as dit que tu es une grande dame, que toi, tu bouffes ton djangui pour nourrir les gars. Bouffe ton djangui. Nous, on a dit qu'on n'a pas beaucoup de dos. Donc, on cotise, on approche, c'est ça qu'on peut décrocher. Donc là, moi, je suis là aujourd'hui pour te faire bouffer sur le djangui. Toi, Kwaku, Kwaku, la plus grosse mytho de la Terre qui puisse exister. Je vais vous prouver où Kwaku, c'est menteuse et qu'elle invente. Vous savez, ces personnes-là, quand ils vont en guerre, comme j'ai fonctionné avec Bomboko aussi, puis il m'a toujours dit que dans le clash, invente. Et je lui disais toujours, je vous dis toujours ça ici chaque jour, je lui disais toujours que quand tu vas inventer, tu vas mentir. Tu ne peux pas, le mensonge, tu ne peux pas répéter le mensonge 3 fois. Tu ne peux pas te répéter dans le mensonge. Tu vas te tromper. Alors que quand tu dis une petite part de vérité, la vérité, tu ne peux pas te tromper avec la vérité en fait. Quand tu dis la vérité, tu ne peux pas te tromper. Mais par contre, quand tu mens, demain tu vas oublier que tu as menti. Et c'est ça que souvent qu'après, vous venez dire que, oh j'avais dit ça parce qu'on était dans les clashs. Non, quand moi je bombarde là, je bombarde que j'ai bombardé que c'est vrai. Je n'invente rien. Vous tous vous avez vu ici, j'ai parlé ici, elle vous a montré ça. On a vu la vidéo, elle marche comme ça là. Quand petit pays arrive, comme c'est parce qu'elle ne supporte pas le gens. Elle ne supporte pas le gens. Maintenant, Bomboko aussi. On va écouter d'abord et puis je vais improviser, je vais parler. Parce que on a voulu un moment traiter. Il y a des hommes qui supportent parfois des choses. Hein. Je ne dis pas que les hommes sont parfaits. Les hommes ne sont pas parfaits. Nul n'est parfait. Hein. Il y avait deux amis, Jerry. Et c'est qui là? Au truc qu'on appelait le Biblos qui était à l'autre avant. Comment il s'appelle encore? Ouais, la boîte qui était à Paris qu'on appelait le Biblos là. Jerry. Et il avait son ami, ils avaient pris ça. Elle m'a invité, je vous avais dit qu'elle m'a invité. Je ne suis pas une menteuse. Elle m'a offert une bouteille de champagne. J'étais assise, très élégante, j'ai croisé mes pieds. Nous sommes arrivés, on était bien. Un moment, le gars vient me dire que, gars, arrête ta copine là. Qu'elle n'arrête pas de me saouler là. Elle me dit qu'elle veut de moi, elle veut de moi. J'avais honte. La façon qu'elle venait me parler, surtout qu'on était assise au VIP, mais j'avais honte. J'étais assise ce jour-là, j'avais oublié, j'avais une robe noire. Noire et il y avait des trucs blancs, un truc blanc quelque part. Et j'ai croisé les pieds, genre, je me comportais. L'ambassade m'a dit. Parce que l'agent, elle dit qu'elle venait à saluer le gars. Elle a commencé à suivre le gars partout dans la boîte. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas qu'on invente. C'est comme ça qu'elle est. Macha, tu laisses ta famille pour partir chercher les Mboboko. Pour te mettre avec les Mboboko aussi. Mboboko aussi qui ne connaissent pas la valeur de la relation humaine. Elles ne connaissent pas la valeur d'une relation. Jusqu'à je vois, elle fait une vidéo pour te donner les vectos. Toi qui l'as enlevé dans la merde. Je vous dis chaque jour ici, soyez reconnaissant dans la vie. Tu es reconnaissant, tu évolues. Et tes portes s'ouvrent dans la vie quand quelqu'un te fait du bien. Moi, j'ai des moments que je suis fâché avec quelqu'un, mais quand je pense que, hey, un jour j'étais dans la merde, cette personne m'a rempli le courrier que je ne pouvais pas remplir, je reste comme ça, je pleure. Je pleure. Je ne pleure pas peut-être parce que j'ai peur de la personne ou que non, je pleure parce que je dis que, hey, comment je vais me retrouver en train de faire les poids avec la personne si les gens vont dire quoi? Cette personne qu'un jour j'avais besoin de son soutien qui me remplisse le courrier ou bien que. Elle parle pour moi, ou bien qu'il parle pour moi, je me retrouve en train de clasher cette personne. Les Mboboko aussi ne connaissent pas ce que c'est que la valeur humaine. Oui, elles ne connaissent pas ça. Elles ne connaissent pas ce que c'est que la valeur humaine. Mboboko aussi, tu partais en prison au Cameroun. Si Macha n'en était pas là, tu le sais. Que tu partais en prison, en Kondengui. J'allais venir te donner les faits et dons là-bas pour toi. Oui, tu le sais. Respectez la valeur. Respectez le bienfait qu'on vous fait dans la vie. Je vais être jalouse par une femme qui laisse son conjoint dans la maison pour aller se faire couiller dehors. Non? C'est une vie sale. Et tous ces gars qu'on a cités là se connaissent entre eux. Pourquoi ils n'ont pas pris? Voilà, toutes les filles et quand là sont avec eux, non? Les filles et quand là partent avec eux, non? Ils rigolent, ils jouent. Il y a les blogueuses, les influenceuses et quand non? Vous avez entendu qu'il y a une fille et quand qui se retrouve dans cette salité que elle part au Cameroun où elle fait les amours au téléphone avec les gars, peut-être Baganté? Pourquoi ce n'est que Mboboko aussi? Parce que Mboboko aussi, elle aime entendre qu'elle a les relations. Elle aime. Dit que je connais tel, je connais tel. Écoutez les noms qu'on appelle là. Il y a les noms qui sont les vrais noms, il y a les noms qui ne sont pas les vrais noms. Evra, c'est un vrai nom. Evra, c'est le neveu du père. Parce que je connais la famille. Quand je travaillais au lycée bilingue, je dormais chez eux. Evra, c'est un vrai nom. Mais les autres noms qu'on donne là, je ne connais pas ça. Parce qu'elle a entendu les titres. Elle a laissé faire couiller un buisson. On a fait le un buisson. Est-ce que vous m'avez entendu si un jour dit que je connais tel, je connais tel, je connais. Mais je connais. Même le maire, je vous ai dit que je connais le maire. Avec les Okemba. Quand je parle de Kemba, même le maire m'a dit que non, elle connaît notre groupe. Mais comme aujourd'hui,
Ils ne connaissent plus ce que c'est que la relation, les reconnaissances d'enfance et tout ça. Ils ne connaissent plus ça. Aujourd'hui, c'est que dès que tu prononces le nom sur la toile, c'est qu'on va t'enfermer. Jusqu'à elle m'a dit ici que prononce le nom du maire, on va t'enfermer. Comme, moi, je n'ai pas les longs bras. C'est pour ça que je prononce pas en temps, moi je prononce. Parce que nous, on se connaît. Il dansait à El Blanco, à Campero. Je la connais très bien. Je suis fille de Yaoundé à la base. Donc tu dois comprendre que Boboko aussi, toutes ces personnes-là, je les connais. J'étais l'ami du petit frère d'Evra. Il a fait l'enfant avec Lilian Tao, qui est ma mère, qui m'a amené travailler chez Nana Mbere. Connaisseur connaît. Il travaille au lycée bilingue. J'étais serveuse là-bas. Pendant que toi, tu passais ton temps à calculer mes clients, que je servais pour arracher leurs chapeaux et leurs volets. Mais je vais dire à ma mère, parce que c'est pas ma grande-sœur, c'est ma mère, machin. Il y a des personnes que, vraiment, quand moi je te voyais avec elle, moi je rigolais. Et tu sais, ça n'a pas empêché que quand j'avais un problème, tu étais là. Hein, tu es venu au deuil des people. Je ne suis pas venu faire la propagande. C'est quand on veut trop parler de toi qui dit que j'étais à machin tel jour. Je n'ai pas besoin de ça. Je sais ce que tu, comment tu me portes dans ton cœur et je sais comment moi je te porte dans mon cœur. C'est tout. Je n'ai pas besoin de la propagande. Mais je veux te faire comprendre que, machin, il y a des personnes que tu as sympathisées. Moi je connais comment tu sympathises. Tu aimes tout le monde. Tu aimes tout le monde. Tu aimes aider les gens. Aujourd'hui, j'entends Boboko aussi qui dit carrément que si tu tentes de parler, elle va sortir les machins, elle va faire ceci. C'est une mytho. C'est une femme qui passe son temps à inventer les vies sur les gens. Elle, maintenant, qui s'est associée avec celle qu'on appelle quoi, Koukou? Koko Kouetou? Koko Kouetou, elle veut le dire ici. Voilà une preuve encore que j'ai envie de vous faire comprendre que c'est une mytho de mytho. Comme elle est qu'une tuie, elle veut afficher ça à tout le monde. Koko Kouetou a dit ici qu'elle est commente avec moi, qu'elle me connaît. J'ai lancé un défi que Koko Kouetou sort une preuve comme quoi toi et moi, on s'est déjà dit, je me déconnecte des réseaux sociaux. Parce que moi, quand j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré mon premier ministre, on a des preuves qu'on s'est rencontrés. Tous mes fans ont des preuves que, pas tous, ceux que j'ai rencontrés dans la vraie vie, on a des preuves. J'ai demandé à quoi Koko. Il n'y a que mon fils qui est en Monaco qui me fuit. Mais il me fait des gestes. Il me fait des gestes, même si on ne se voit pas. On se parle, il peut m'appeler, on parle au téléphone, vite fait. Mais on ne s'est pas encore vu comme ça qu'on se filme, tout ça là. Mais des personnes qui m'aiment, qui me connaissent, qui m'ont rencontré, on ne passe pas sans faire une photo. J'ai demandé à quoi Koko. Vous savez pourquoi quoi Koko vient vouloir, veut vouloir salir? Parce que c'est une bande. Ils prennent leur vie pour mettre sur les gens. Quoi Koko a dit ici que elle et moi, on s'est vus, on est sortis ensemble. Pourtant, le monde là, je ne connais pas. Mais je ne refuse pas. Je ne refuse pas que j'ai une soeur, une amie, une cousine qui est dans ça. Je ne juge personne. Je ne juge personne. Et je ne peux pas coller une étiquette sur quelqu'un qui n'est pas vrai. Ça, je ne peux pas. Quand quoi Koukou vient dire que machin et elle, les choses qu'ils ont fait, tu es une mytho. Je viens faire comprendre aux Camerounais que tu es une menteuse. Parce que si on croit à ce que tu dis sur ma chance, ça veut dire que ce que tu dis sur moi, c'est vrai. Et moi, je te lance encore une fois le défi. Tu as dit que tu es sorti à ma copine Flo. Parler au téléphone, ce n'est pas pareil. Hein. Tu connais là où Flo habite. Montre-nous. Flo t'a lancé le défi ici que montre-nous. Parce que si moi, je peux vous sortir une photo où je suis couché chez mon doudou. Même demain, je peux vous lancer le défi. Je m'en vais là-bas, je fais le direct. Oui, c'est comme ça qu'on attrape des bandits et des menteuses. Quoi que quoi dit, ça l'a fait la méplanche. Quoi que quoi dit que moi, elle m'a rencontré, on s'est vu. Jusqu'à dire qu'elle a vu ma petite soeur. Quoi Koukou, tu es une menteuse. Voilà ça que tu es en train de vouloir venir diffamer sur machin. Machin va vers tout le monde. Machin est venu à Oja. Ce n'est pas parce qu'elle a peur de moi, c'est parce qu'elle aide tout le monde. Il n'y a pas une influenceuse de notre époque là que machin n'a pas aidé. Tu viens dire que tu as fait quoi avec machin? Si on te croit, ça veut dire que ce que tu as dit sur moi aussi était vrai. Mais ce n'est pas vrai, tu es une menteuse, quoi Koukou. Quoi Koukou, tu es une menteuse. Tu prends ta vie, tu as assumé que tu es une tuque, une tuie. Tu as assumé. Tu vas vieillir avec une gars dans la maison. Vous serez en train de vous manger les gésés. Les gens qui n'assument pas, ne les amènent pas dans ton monde. Va avec Boboko aussi. Vous êtes des tuques, une tuie. Va avec, parce que je sais que tu m'avais dit que fais quoi. Tu vas tout ma. Boboko aussi. Tu es parti tout ma. Gombongo Indi. Tu as dit que ça ne sentait pas bon, que c'était sale. Il faut que je ressorte ça. Tu as dit que ça ne sentait pas bon là-bas. Mais comme tu es dans le aide-moi à te tester, tu viens inventer. Et je vous ai toujours dit que cette fille qu'on appelle Koukou, c'est une très grande artiste. Elle peut prendre la voix d'un homme. Vous avez vu ce qu'elle a fait ici? Ils ont inventé une histoire pour dire qu'elle a fait que Koukou, méfiez-vous d'elle. Elle peut venir lancer un direct ici. Elle prend ta voix. Elle prend même ma voix. Moi, Maliba Perpétue, elle prend ma voix. Mais comme ma voix là est compliquée, tout le monde connaît ma voix jusqu'à mourir. C'est difficile. Elle ne peut pas. Koukou, c'est une mytho. Elle était venue me dire que Flore a fait les mamies Satan avec machin. Mais comment je viens de retourner ça pour dire que c'était avec elle? Ya, quoi Koukou, tu oublies que tu es mon cousin. Tu es une mytho. Tu mens. Tu es une menteuse.
Mon frère, concentre-toi sur ta grossesse. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur tes enfants. Arrête le mensonge. Tu es une mytho. Tu mens tellement que ça donne même les migraines. Parce que je connais comment vous fonctionnez. Quand vous dites que vous partez en masse sur quelqu'un, tu viens te dire que je vais aller dire que je vais aller dire que. Tu me disais souvent ça. Que tu vas aller dire que tu vas aller dire que tu vas aller dire que tu inventes quelque chose pour venir verser. Tu as dit ça sur moi. Alors que toi et moi, on ne s'est jamais vu dans la vie réelle. Et toi, tel que je te connais, on te demande de jurer même sur la Bible. Tu vas jurer. Parce que toi, tu as remis ta vie entre les mains du diable. Tu le sais, non? Toi, quoi, coucou là? Mais le karma existe. Le karma là. Fais attention, hein. Ça peut te frapper très mal. Méfie-toi. C'est ça que toi, tu ne crois plus en rien, quoi, coucou. Mais tu es une mytho. J'ai envie de montrer au monde entier que tu es une mytho. Rappelez-vous de ce qu'elle a dit sur moi. Et vous partez maintenant voir ce qu'elle a entendu. Parce que elle, tout le monde est sorti avec elle. Parce qu'elle est. Tu es quoi? Tu es quoi, maman? Toujours pour les 150 que tu avais dit qu'envoie-moi. Toujours pour ça. Hein, maman? C'est toujours pour 150 que tu dis que tu es trop. Donc, moi, même s'il faut me préparer un tucu avec une gars, c'est pour 150. Hein? Donc, ma chère a faim. Au point où, les gars, même s'il fallait même qu'elle parte avec les gars. Une gars qui est sur les réseaux sociaux, qui bavarde matin, midi, soit qui ment comme toi. Savais-toi qu'elle va go, maman. Toi, tu es une mytho. Parce qu'il y a des tucus que je connais. Hein, que les gars me sont fiers de dire que oui, ils se commentent avec. Mais toi, on te réunit, maman. Toutes les gars que tu dis que tu es commenté avec, tout le monde te réunit. Si mesdames Balonga, mon frère, parce qu'un vrai, vrai, il y a les gars qui, quand tu regardes, tu dis que, même si tu n'es pas comment t'avais, tu m'as menti. Parce que je connais les gars qui étaient au pays, qu'ils voient un gars, il dit que c'était manga, alors qu'il n'est jamais comment t'avais l'anga. Quand l'anga l'attrape, il dit que tu dis que quoi? C'est comme ça que quoi, Coco est. Coco, quoi, tu es comme ça là? Elle est comme ça. C'est elle qui vient dire qu'elle est sortie avec telle personne, mais on la réunit toujours. On dit toujours que non, je ne suis jamais sortie avec, je ne la connais pas. Je ne suis jamais sortie avec, je ne la connais pas. Assume ton truc, quoi. Assume, c'est pour toi. Si tu assumes, tu assumes avec des gens qui t'assument aussi. Mais les gens qui ne t'assument pas là, qui ne savent pas ton histoire, on te connaît parce que tu étais une amie à flanc. C'est pour ça qu'on te connaît. Et moi, quand je parlais avec toi, c'est parce que j'étais en palabre avec ma copine et je croyais que tu avais des balles. Tu n'avais pas les... Tout ce que tu me disais, c'est le mensonge. Tu n'avais pas les balles sur elle. Bah, si tu as les balles sur elle là, pour avoir les balles sur quelqu'un, il faut vivre dans la maison de la personne. Il faut être dans la maison de la personne. Tu n'as jamais été dans la maison de flanc. Tu avais quelle balle alors? Tu venais me mentir. Tout ce que tu me disais sur elle là, tu me mentais. Moi, je disais que tu me donnais les balles sur ma co. Alors que tu n'avais même aucune balle. Vous avez écouté dans cette sortie de compression comment elle recadre Lolo Fouja et raconte tout ce qu'elle a vécu avec elle. Elle conseille également Chantal Aïssi de se méfier désormais de Lolo Fouja, car pour elle, cette dernière est très dangereuse. Elle dit qu'après tout ce que Chantal Aïssi a fait pour Lolo Fouja, elle n'a pas hésité à l'afficher. Pour Coco et tout, Compressor dit qu'elle est toujours en train d'inventer les histoires qui ne tiennent pas sur des gens. Elle a d'abord eu à raconter qu'elle sortait avec Nadège Bapa, quand elle avait le problème avec Nadège Bapa. Après, quand elle a eu le problème avec Fleur de Lille, elle a aussi raconté qu'elle sortait avec Fleur de Lille. Après Fleur de Lille, elle a aussi raconté qu'elle sortait avec Compressor. Après Compressor, cette fois-ci, c'est Chantal Aïssi. Elle raconte partout qu'elle a eu à faire beaucoup de choses avec Chantal Aïssi. Ce que Compressor qualifie de grosse manipulation. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.